Ok les gars, c'est Penta, j'espère que vous allez bien, comme tu l'auras vu au titre de la vidéo. Aujourd'hui les gars, on va se retrouver pour l'épisode 2 des 40 skins les plus tryhard sur Fortnite. Je vous avais sorti la première vidéo il y a à peu près un an, elle avait fait plus de 100 000 vues. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui les gars, je vous ferai l'épisode 2, car il y a eu beaucoup de skins qui sont sortis entre temps. Il y a beaucoup de skins tryhard qui ont changé de position, etc. Donc juste avant qu'on attaque le classement, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, code créateur Penta avec 2 H. Et si tu veux que je t'ajoute en ami sur Fortnite, n'hésite pas à m'envoyer une preuve d'achat, que ce soit sur Discord, Instagram ou Twitter. Et tu peux être sûr que je t'ajouterai en ami. Bref, je te propose qu'on attaque directement avec la 40e position de ce classement les gars. Je vous ai cité le petit skin Amplitude. Vous le voyez à l'écran, honnêtement ce skin là je le kiffe, car il est plutôt stylé et tryhard. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est un skin personnalisable. Donc ça c'est plutôt cool. Si je me trompe pas, il coûte que 1200 V-Bucks. Donc en termes de prix c'est plutôt abordable. Et honnêtement le skin est vachement stylé. 39e position, j'ai décidé de vous placer le petit skin Casse-cou de Dusty. Vous le voyez à l'écran, honnêtement ce skin là est plutôt pas mal, car encore une fois c'est un skin qui est personnalisable. Si je me trompe pas, il y a 8 ou 9 variantes. Là vous voyez le skin casse-cou de Dusty à l'écran, mais n'importe quelle variante du skin en vrai de vrai est plutôt tryhard et stylé. Là je l'ai mis à la 39e position, car à l'heure actuelle je vois pas énormément de gens qui jouent avec. Quand le skin venait de sortir, honnêtement il était hyper tryhard, tout le monde le saignait. À l'heure actuelle il est plus trop joué. 38e position, je vous ai sélectionné le petit skin Prodige Polo. Vous le voyez à l'écran, c'est un skin collab entre Ralph Lauren et Fortnite. Et en plus de ça, ce skin là a fait son retour dans la boutique il y a environ un mois et demi. Bref, ce skin là en termes de tryhardise les gars, honnêtement il fait le taf, il a les codes d'un skin tryhard, il est plutôt stylé à jouer. Donc honnêtement les gars, je peux que vous le conseiller. Pour la 37e position, je vais vous parler d'un skin qui coûte que 800 V-Bucks, et c'est un skin que Clix a énormément popularisé les mecs. Je vous parle du skin Brouilleuse Joyeuse. Vous le voyez à l'écran, honnêtement ce skin là est un skin tryhard les gars. En plus de ça, il sort que à la période de Noël, donc pour l'obtenir c'est assez compliqué. En termes de prix, il coûte 800 V-Bucks, donc il est plutôt abordable. Donc quand ce skin là ressortira les gars, je vous invite à l'acheter. 36e position les gars, on va se retrouver encore une fois avec un skin qui coûte que 800 V-Bucks. Et beaucoup de personnes vont être surpris que je mette ce skin là à cette position les gars, mais je vous parle du skin Vénard. À l'heure actuelle les gars, le skin Vénard, ce n'est plus un skin qui était vachement tryhard comme à l'époque. Il reste encore tryhard, il n'y a pas de souci, mais malheureusement le skin a perdu en valeur entre guillemets. J'espère que vous m'avez compris. Bref, encore une fois les gars, n'hésitez pas à jouer la Vénard, dans tous les cas elle fera le taf. 35e position, je vais vous citer le premier skin homme de cette vidéo les mecs. Je vous parle du skin Joker Obscur, un skin que Mon Graal avait énormément popularisé à l'époque. Je sais qu'en joueur pro français, on a Solary Floki qui le joue assez souvent. Honnêtement, ce skin là, je le trouve vachement tryhard. En plus de ça, je le trouve magnifique, les gars. Si je me trompe pas, il y a pas longtemps, il y avait une promo avec ce skin tout en bas dans la boutique. Il coûtait que 7 €. Donc, honnêtement, s'il y a encore la promo, les gars, n'hésitez pas, car franchement, il vaut le coup. 34e position, les mecs, on va se retrouver avec le main skin de Clix. Donc, pour ceux qui le suivent, les gars, vous avez deviné qu'on se retrouve avec le skin Mécano. Vous le voyez à l'écran, ce skin là était vachement tryhard et populaire lors du chapitre 2 de Fortnite, pendant le chapitre 3 également. À l'heure actuelle il est encore tryhard, y'a rien à dire, mais il a perdu en cote entre guillemets. Donc le skin Mécano reste un skin tryhard, mais malheureusement plus autant qu'avant. 33e position, un skin qui a fait son apparition sur Fortnite il y a environ 2 mois les gars. C'est une collab entre Fortnite et Star Wars. Normalement vous avez deviné, je vous parle du skin Padmé Amidala. Vous le voyez à l'écran, ce skin là est tryhard et stylé, y'a rien à dire. Je sais que en termes de joueurs pro, il y avait Queasy qui le jouait il y a pas longtemps, donc un winner des FNCS les gars. Donc franchement ce skin là je le trouve vachement tryhard. Donc si vous voulez l'acheter ou quoi les gars, franchement n'hésitez pas. Pour la 32e position les gars, je me sentais vraiment obligé de vous citer ce skin dans cette vidéo les mecs. Je vous ai cité le petit skin Dynamo, donc le skin emblématique des tryhards entre guillemets qui est sorti sur Fortnite. Ça a été le premier skin qui a été popularisé à l'époque de Mon Graal, Benji Fishy, etc. Bref ce skin là les gars, en vrai c'est une masterclass. À l'heure actuelle c'est plus trop un skin qui est joué, qui est tryhard, mais il restera dans la légende des skins. 31e position, je vous ai sélectionné un petit skin masculin, un skin que Mon Graal encore une fois a énormément popularisé à l'époque. Je vous parle du skin Habil que je vous ai déjà cité dans quelques vidéos. Honnêtement ce skin là les gars, je le trouve tellement sous-côté, il est magnifique les gars. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a 4 variantes de à peu près toutes les couleurs, donc vous allez pouvoir faire des combos incroyables. En plus de ça c'est un skin en collab avec Nike, et donc le skin est vraiment stylé. Encore une fois vous le voyez à l'écran, ce skin là les mecs, je peux que vous le conseiller. 30e position, j'ai décidé de vous placer le petit skin Vénard du championnat. Donc c'est le skin Vénard qui était sorti à l'occasion de la finale des FNCS il y a 2 saisons si je me trompe pas. Honnêtement le skin il fait le taf les gars, c'est un skin qui est tryhard. C'est pas non plus le meilleur skin tryhard, car honnêtement vu que c'est une variante de la Vénard, elle est un petit peu moins tryhard que les autres skins. Mais encore une fois le skin il fait le taf, il est stylé, donc n'hésitez pas à le jouer. 29e position, un skin que Jolavani joue très souvent sur Fortnite, même il le joue tout le temps à chaque fois qu'il est en stream les mecs, c'est le skin Asphalt. Vous le voyez
voyez à l'écran. Honnêtement, ce skin-là est tryhard. Il y a 3 variantes sur le skin, si je ne me trompe pas. Il y en a une notamment que Floki, encore une fois, joue très souvent, celle en vert. Vous la voyez à l'écran. De toute façon, ce skin-là, les gars, vous le savez que c'est un skin qui est tryhard. Et c'est pour ça que je l'ai mis à la 29e position. 28e position, je vous ai sélectionné le petit skin Soldat Ghoul qui sort à la période de Halloween. Ce skin-là, les gars, c'est un skin qui est tryhard. En compétition, les gars, faut savoir que ce skin-là est beaucoup joué. Je sais que pendant la grande finale des FNCS de la saison d'avant, il y avait pas mal de duos qui jouaient ce skin-là. Même, je le croise assez souvent en ranked, etc., les gars. Donc, franchement, ce skin-là, encore une fois, oui, c'est un skin qui est tryhard et il est magnifique. Bon, tous ceux qui sont encore à ce stade de la vidéo, les gars, sachez déjà que vous êtes des cracks. Et si tu veux avoir la ref, mets dans l'espace commentaire Penta, je suis pas là. On va voir tous ceux qui sont là, les gars. Et oublie pas de mettre ton épique à la fin du commentaire pour que je puisse t'ajouter en ami. 27ème position, je vais vous parler d'un skin qui est sorti pendant la saison 3 du chapitre 4. Si je me trompe pas, les mecs, vous le voyez à l'écran, c'est le skin Tsuki, la créatrice. J'ai découvert ce skin-là, entre guillemets, grâce au joueur pro français Skyden. J'ai vu qu'il jouait très souvent ce skin-là, donc je me suis renseigné. Et j'ai vu que ce skin est sorti récemment. Et honnêtement, les gars, il est magnifique. Il est tryhard, par exemple. Avec le sac à dos trèfle et la pioche pelle à neige, vous aurez un combo qui est magnifique. Pour la 26ème position, j'ai décidé de vous placer une footballeuse, mais pas n'importe laquelle, les gars. C'est la joueuse prodige que vous voyez à l'écran. C'est ma footballeuse préférée sur Fortnite, donc je voulais vous la citer dans la vidéo. Honnêtement, elle est tryhard et je la trouve vraiment super stylée. 25ème position, les mecs, j'ai décidé de vous sélectionner un skin emblématique sur Fortnite. C'est le skin Lara Croft. Vous le voyez à l'écran. Si je me trompe pas, ce skin-là est sorti durant le chapitre 2 de Fortnite. Et faut savoir que ce skin-là est adoré par les joueurs pro. Je le croise très souvent. Je sais qu'en joueur pro français, on a MXR qui le joue assez souvent en compétition, etc. Donc si vous vous posez des questions avec le skin Lara Croft, s'il est tryhard ou pas, les gars, oui il l'est, donc encore une fois, n'hésitez pas à le jouer. Bon les gars, je fais une mini pause dans le classement, mais sachez que ça me prend énormément de temps de vous faire le classement des skins, de vous faire le montage, etc. Donc si tu pourrais liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour la 24ème position, on va se retrouver avec un skin masculin, les mecs, et c'est un skin qui est sorti récemment sur Fortnite. C'est le skin Alto du Crépuscule. Vous le voyez à l'écran, honnêtement, je le croise tous les jours sur Fortnite, les gars, que ce soit en compétition, en ranked ou bien en battle royale normal, les gars. Ce skin là est apprécié et honnêtement il est tryhard et stylé. Pour la 23ème position, les gars, encore une fois ce sera un skin masculin. En plus ce skin là est sorti pendant les FNCS Invitational. Normalement vous avez compris les mecs, c'est le skin Pantin Suprême. Vous le voyez à l'écran. Ce skin là les mecs, je le trouve vachement tryhard et je trouve qu'il est énormément sous-côté. Bon après ce skin là est sorti que une fois dans la boutique d'objets, donc je pense que c'est pour ça que pas beaucoup de personnes possèdent ce skin. Pour la 22ème position, les mecs, j'ai décidé de vous sélectionner le skin Anna. Vous le voyez à l'écran, en ce moment je fais beaucoup de combos de skin avec ce skin car il devient de plus en plus tryhard. Et ce qui est pas mal avec ce skin, c'est qu'il possède 6 ou 7 variantes de à peu près toutes les couleurs. Encore une fois les gars, n'hésitez pas à acheter ce skin quand il ressort dans la boutique car honnêtement il est rentable. 21ème position, un skin collab entre League of Legends et Fortnite. Normalement vous avez compris que je vous parle du skin Jinx d'Arcane. Vous le voyez à l'écran, ce skin là les gars il est magnifique. C'est un skin qui est vachement tryhard. Je sais que Noarelli le joue très souvent. En plus moi personnellement je trouve que ce skin il change du lot, les gars. C'est un style de skin à part entière. Bref, ce skin là, les gars, il est magnifique. 20ème position, j'ai décidé de vous placer le skin Sirène Secrète qui est disponible dans un pack tout en bas dans la boutique d'objets, les gars. Cette variante du skin Sirène, les gars, est juste magnifique. Je sais qu'il y a une variante en blanche et une en plus foncé. De toute façon, vous les voyez à l'écran. Ce skin là est juste magnifique et il est évidemment grave tryhard. 19ème position, je vais vous parler d'un skin qui était hyper rare sur Fortnite. Normalement, vous avez deviné que je vous parle du skin Jalonneuse. Rappelez-vous que ce skin là était considéré comme le skin le plus rare sur Fortnite jusqu'à qu'il ressorte dans la boutique il y a environ 2 ans. Bref, ce skin là en vrai de vrai les gars, il est apprécié par les joueurs pro. Je sais que Podasai et Snazy le jouent très souvent, donc honnêtement n'hésitez pas. Pour la 18ème position les gars, je vous ai récemment fait beaucoup de combos avec ce skin. C'est le skin tenue de Catwoman. Vous le voyez à l'écran, ce skin là est un skin qui est vachement tryhard en ce moment. Moi personnellement je l'adore et je le croise aussi très souvent en ranked ou en compétition. Donc encore une fois les gars, n'hésitez pas à le jouer. Pour la 17ème position, on va se retrouver avec un skin que Veno a énormément popularisé, donc multi-finaliste des FNCS. Il a déjà gagné plusieurs fois la finale des FNCS, donc c'est pour vous dire son niveau. Bref, c'est le skin Astra. Vous le voyez à l'écran. Ce qui est pas mal avec ce skin, c'est qu'il possède un sac à dos qui est incroyable et qui s'accorde avec pas mal de skins pour faire des beaux combos. Bref les gars, le skin Astra, sachez que c'est un skin qui est tryhard et beaucoup joué en compétition. Pour la 16ème position, encore une fois on va se retrouver avec un skin qui était sorti pendant les FNCS Invitational. Il coûte que 800 V-Bucks et il est
est vachement tryhard, c'est le skin championne éclaireuse, vous le voyez à l'écran. De toute façon, je vous avais déjà fait pas mal de combos de skin tryhard avec ce skin, mais par exemple, si vous l'accordez avec la baguette étoilée, vous aurez vraiment un combo qui est tryhard et stylé. Pour la 15ème position, les mecs, je vous ai sélectionné les petits skins skieuses, peu importe lesquels, les gars, sachez que ces skins sont vachement tryhard en compétition, ils sont vachement joués. Donc, si vous avez des petits doutes avec certaines skieuses, les gars, n'hésitez pas à les jouer car elles sont toutes tryhard. 14ème position, je vous ai sélectionné un skin qu'on peut débloquer dans ce pass de combat, les gars, c'est le skin Vicky Velos que je trouve particulièrement tryhard et stylé. Honnêtement, ce skin là, j'en suis sûr que beaucoup de joueurs pro vont le saigner, notamment la variante hyper espace que je trouve juste magnifique, les gars. Donc, si vous avez des questions, oui, ce skin là est tryhard. 13ème position, on va se retrouver avec un skin qui coûte 1200 V-Bucks, si je me trompe pas, c'est le skin Tigresse que vous voyez à l'écran. Ce skin là, les gars, il est tryhard. En plus de ça, il est plutôt stylé. Par exemple, avec le sac à dos trèfle et la petite pioche griffe stylée, les gars, vous aurez un combo masterclass. 12ème position, les mecs, on va se retrouver avec un skin qui est vachement populaire en ce moment et il est également vachement tryhard. C'est le skin Camille, vous le voyez à l'écran, par exemple, avec le sac à dos thorax spectral en rouge et la petite pioche omnisciente au sucre d'orge, vous aurez un combo magnifique. Pour la 11ème position, les gars, j'ai un petit peu hésité, mais je me sentais un petit peu obligé de placer ce skin, les mecs. C'est le skin Sirène, vous le voyez à l'écran. Pour moi, c'est un des skins les plus tryhard. Benji Fishy l'a énormément popularisé, donc il fallait au moins que je la montre dans la vidéo. 10ème position, on se retrouve avec le skin Kuno que je trouve plus tryhard que la sirène par exemple, car le skin Kuno est plus joué en ce moment que la sirène. Il y a un an par exemple, la sirène je l'aurais mis devant. Bref, à l'heure actuelle, le skin Kuno est un skin qui est tryhard, vous le voyez à l'écran. En plus de ça, il est plutôt stylé, par exemple avec la petite pioche clinquante, les gars, vous aurez un très beau combo. Pour la 9ème position, les gars, je vous ai sélectionné le petit skin Echo, un skin qui est tryhard en ce moment, les gars. Il y a beaucoup de joueurs pro qui jouent avec, donc il fallait absolument que je le place dans le top 10. 8ème position, les gars, j'ai décidé de vous sélectionner le petit skin Focus qui est tout autant tryhard qu'à l'époque, les gars. Ce skin là, j'ai l'impression qu'il est limite indémodable. Il y a énormément de joueurs pro qui jouent avec tous les jours, donc encore une fois, il mérite son top 10. Pour la 7ème position, les gars, j'ai décidé de vous placer le skin Mécano FFC, le skin qui est sorti pendant la Coupe du Monde de football. Et vous savez tout autant que moi, les gars, que ce skin là est vachement tryhard. En plus de ça, il possède beaucoup de variantes de à peu près toutes les couleurs. Donc ce skin là, les gars, je peux que vous le conseiller. Pour la 6ème position de ce classement, les gars, vous allez être assez surpris, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi, les gars. Je vous ai sélectionné le petit skin Core, vous le voyez à l'écran. Ce skin là provient d'un ancien pass de combat qui date du chapitre 3, si je me trompe pas. Ce skin là est devenu hyper tryhard depuis que Malibuka l'a énormément popularisé, donc je me devais encore une fois de vous le mettre dans le top 10. 5ème position, les gars, j'ai décidé de vous placer le petit skin Sorcière Surfeuse. Vous savez tout autant que moi que c'est un des skins les plus tryhard sur Fortnite. Tous les joueurs pro le jouent assez souvent, donc je pense que son placement est mérité. Pour la 4ème position, les gars, j'ai décidé de vous placer un skin qui coûte que 800 V-Bucks. C'est le skin Patrouilleuse du Parc, vous le voyez à l'écran. J'ai l'impression de le croiser tous les jours tellement je le croise, les gars. C'est vraiment l'élite des skins tryhard. Pour la 3ème position, les gars, j'ai décidé de vous placer un skin masculin. Normalement, vous avez deviné que je vous parle bien évidemment du skin Travis Scott. Vous le voyez à l'écran. Ce skin là restera pour moi un des skins les plus tryhard sur Fortnite, car il n'est pas sorti depuis je sais pas combien de temps et tous les joueurs pro le possèdent et le jouent très souvent. Pour la 2ème position de ce classement, les gars, là ça va être un petit peu compliqué, mais j'ai décidé de vous placer le skin Super Héros, car vous savez tout autant que moi que ce skin là est l'emblème des skins tryhard entre guillemets. Mais depuis quelques jours, un nouveau skin est sorti, les gars, et du coup pour la première position, on va se retrouver avec le skin Braqueuse, les gars. Et j'ai jamais vu autant de pros jouer ce skin, les gars. N'hésitez pas à aller sur Twitch et aller voir des joueurs pro Fortnite, les gars, j'en suis sûr qu'ils posséderont ce skin là quand vous allez cliquer. Bref, les gars, le skin Braqueuse en ce moment, c'est vraiment le super héros quand il était sorti à l'époque. Donc voilà, les gars, ça m'a pris un temps fou à tout vous faire, mais j'espère honnêtement que vous aurez kiffé la vidéo, les gars. C'était Penta, n'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, les gars. Je vous fais des bisous, ciao.